Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'ai moi-même souhaité vous faire parce que c'est une vidéo que j'aurais bien voulu trouver avant de faire ce que je vais vous expliquer. Il n'y en avait pas sur YouTube, donc je me suis dit why not en faire. Alors aujourd'hui je vais vous parler du site sendmybag.com. On m'a parlé de deux sites, donc sendmybag et Polonel Parcel, sachant que c'est deux trucs complètement différents dans le sens où Polonel Parcel c'est votre valise qui part ou votre colis par bateau et elle arrive genre au bout de 3 mois voire 2 mois suivant, je sais pas trop comment ça fonctionne, j'ai pas vraiment regardé pour vous avouer. Et donc on m'a conseillé sendmybag. Donc sendmybag, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est une application ou le site internet aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'application, mais moi je vous recommande l'application. Avec ce site là vous pouvez envoyer par transporteur des box, c'est-à-dire des colis etc, peu importe la taille, des valises peu importe la taille, des skis, des vélos, des trucs de golf, enfin plein d'autres choses. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir tout ce qui est possible d'envoyer etc, mais il y a beaucoup de possibilités. En tout cas moi j'en ai beaucoup entendu parler et je me suis dit bah why not tester. Et ma mère a reçu ma valise il y a 2 jours, donc je me suis dit c'est peut-être le moment de vous faire une vidéo là-dessus, vu que là pour le coup j'ai mon avis complet sur mon expérience. Encore une fois je fais une petite précision, sachez que mon expérience n'est pas relative à toutes celles que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que c'est possible que vous passez par ce site là et que vous ayez des problèmes, ce que je n'ai pas eu personnellement, mais c'est possible que vous en ayez. Encore une fois on peut pas prévoir, je ne dis pas que mon expérience est vraiment similaire à toutes celles que vous allez avoir, pas du tout, ça dépend de toute situation. Donc voilà, je tenais juste à vous partager mon expérience et j'espère pouvoir vous aider. Alors déjà avec ce site là vous avez deux types de livraison, donc vous avez la livraison standard et la livraison express. Donc la livraison standard ça prend entre 5 à 6 jours working day, ils appellent ça, donc encore une fois c'est pas des dates vraiment fixes, ça peut prendre plus de temps que ça mais pas énormément plus. Et la livraison express c'est 1 à 2 jours working day encore une fois. En ce qui concerne le prix pour ces deux livraisons là, vous avez été énormément de personnes à me poser cette question sur Instagram, combien ça t'a coûté etc. Il faut savoir que suivant le poids et la dimension de votre bagage, les prix ne sont pas les mêmes. Je m'explique, vous pouvez faire tout simplement votre propre recherche sur le site, c'est-à-dire que vous allez sur sendmybag.com. Vous allez avoir la première page qui va vous afficher, on va vous demander les dimensions de votre valise, de votre boîte ou je sais pas ce que vous voulez envoyer, le poids, et ça va vous dire vous calculer un prix approximatif, sachant que si vous avez, par exemple moi j'habite en Corse, donc il fallait que ma valise reprenne un autre avion pour aller jusqu'à la Corse, j'ai payé 45$ de frais d'envoi en plus. Je vous mets quand même les prix approximatifs pour l'envoi standard juste ici, donc vous avez par rapport au poids un prix approximatif. Encore une fois je fais que le répéter pendant cette vidéo, mais faites votre propre estimation. Et pour l'envoi express je vous les mets ici aussi, pareil ne pas oublier les surplus d'adresse qui pourraient vous coûter un tout petit peu plus cher. À ça il faut rajouter les papiers à imprimer, parce que vous allez avoir environ 8 papiers à imprimer, donc pensez bien à l'imprimante si vous en avez une chez vous ou chez un ami ou autre. À savoir aussi, il me semble que sur sendmybag.com vous pouvez payer un tout petit peu plus et ils vous impriment eux-mêmes vos papiers, vous les recevez sous 1 à 2 jours dans votre boîte aux lettres. Donc si vraiment vous n'avez pas d'imprimante et que vous n'avez pas de solution de secours, vous pouvez toujours faire ça. Ensuite, sendmybag vous propose de payer une pochette transparente de transport à mettre sur votre valise. Personnellement, moi j'ai mis une pochette plastifiée toute simple de classeur, on va dire, vous voyez les trucs tout simples. Après, je sais que ça peut s'arracher, c'est très possible. Donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais imprimé le code barre qu'il y avait sur la valise en plus que j'avais mis dedans. Sachez que vous allez avoir 3 codes barres différents, un code barre pour le livreur, un code barre pour ce que vous allez mettre sur votre valise et un pour dans la valise. Mais moi j'ai bien remis 2 fois celui que j'avais sur la valise dedans parce que c'est quand même plus pratique, je sais pas, j'avais la sécurité, je sais pas vraiment si genre en scannant celui de l'intérieur ils avaient les mêmes accès que celui de l'extérieur, du coup bref. Je sais pas comment ça fonctionne pour eux, mais moi j'avais mis les deux dedans. Au moins j'étais sûre que si l'étiquette venait à s'arracher, il y aurait toujours l'autre dedans. Encore une fois, je vous conseille quand même d'acheter la pochette. Moi personnellement, j'ai pas voulu le faire, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, elle n'était pas arrachée à l'arrivée, donc je pense que j'ai eu peut-être de la chance. Ensuite, vous pouvez aussi payer un plus pour avoir le suivi de votre valise. Alors ça, je vous le recommande, mais vivement. Parce qu'il faut savoir déjà que sendmybag ne livre pas les week-ends, il passe par FedEx. Et ils ne livrent pas les week-ends, ils ne viennent pas chercher vos valises les week-ends. C'est bon à savoir aussi. Moi j'ai dû poser une journée de congé pour attendre le livreur parce qu'il n'y a pas d'heure fixe. C'est un petit peu embêtant mais bon. Et grâce à l'application j'ai pu suivre ma valise, où était ma valise chaque jour. J'ai vu qu'elle était allée jusqu'à Indianapolis, après elle a été à Paris et après à Marseille et ensuite en Corse. Enfin bref, j'ai vraiment vu tout le trajet de ma valise. Vous savez où elle est en temps réel, donc ça c'est vraiment pratique encore une fois. Ça rassure beaucoup. Après vous n'êtes pas obligé de le faire mais personnellement je le conseille vivement. En ce qui concerne les papiers que vous allez devoir imprimer, je vous fais une petite liste de tous les papiers que vous allez avoir à imprimer.
Alors vous avez deux fois la liste de vos affaires, donc l'intégralité de votre valise, donc ne fermez pas votre valise tant que vous n'avez pas vos papiers. Sachez qu'en fait sur l'application, une fois que vous allez avoir fait votre réservation, on va vous mettre un petit onglet avec tous les papiers. C'est des papiers à remplir directement sur le site ou sur l'application. Vous remplissez vos papiers, donc on va vous demander de faire la liste de tous vos objets que vous avez dedans, avec leur provenance, si ça vient de France ou des États-Unis, etc. etc., etc. Donc vous allez avoir tout un justificatif, le prix approximatif, ce qui va faire aussi le prix de l'intérieur de votre valise pour la douane, parce qu'il y aura des contrôles de douane suivant le budget que vous allez mettre dans votre valise. Vous aurez aussi 3 codes barres avec tous vos références, donc c'est ce que je vous avais dit, à l'extérieur de la valise, un à l'intérieur de la valise et un pour le livreur. Et vous allez avoir 2 papiers contrat entre guillemets à signer directement sur le site ou sur l'application. Au moins vous avez juste à les imprimer, tout est signé et je crois qu'il faut que vous le mettiez dans la valise, il me semble. Ne surtout pas oublier de tout remplir en ligne dès que vous avez fait votre réservation. Allez-y, remplissez tout et normalement vous allez avoir un email qui vous dira que vos papiers sont prêts, vous pouvez les imprimer parce qu'ils ne seront pas prêts directement, c'est sous 2 à 3 jours en général. Donc surveillez bien votre application ou votre compte sur le site et n'oubliez surtout pas de remplir tous les papiers parce que c'est très important, sinon vous allez attendre super longtemps sans rien avoir et vous allez vous demander pourquoi. N'oubliez pas de remplir ces papiers. Pour la préparation de vos valises, il faut savoir qu'il ne faut pas mettre de cadenas sur la valise parce que tout simplement si vous avez un contrôle de douane, ils vont littéralement vous péter votre cadenas et c'est pas forcément cool. Je sais aussi qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à les ouvrir, des fois j'ai pas trop compris ce qu'ils m'ont expliqué, mais en gros des fois ils n'arrivent pas à ouvrir le cadenas donc ils vous la réexpédient directement et puis hop, vous repayez, c'est votre problème. Mais ne mettez pas de cadenas, vous inquiétez pas, c'est des envois sécurisés avec FedEx, en général il n'y a aucun problème. Voilà pour toutes les choses que je pense importantes à savoir, je pense que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller sur le site, ils ont une FAQ qui est disponible, vous pouvez regarder toutes les questions réponses. Ça vaut vachement le coup pour ma part, moi j'ai cherché beaucoup de trucs là-dessus et j'avais questionné de mes copines au pair, mais vous pouvez trouver toutes les réponses à vos questions sur la FAQ et si ça ne répond pas à vos questions, vous avez l'email de disponible sur leur site internet. En ce qui concerne mon expérience, du coup je vais vous en parler. Alors moi j'avais envoyé ma grosse valise en soute. C'était une grosse valise avec 30 kg dedans, j'ai payé 175, à savoir que j'ai eu 45$ de plus à payer dû à ma localisation, mais les 45$ sont compris dans les 175. Donc ma valise est partie lundi dernier, le transporteur est venu la chercher, il est venu à midi il me semble. Du coup je lui ai donné ma valise et j'étais vraiment surprise de la vitesse, sachant que j'ai pris la livraison standard, la vitesse pour que ma valise aille en France. Alors elle est partie le lundi à midi, elle était à Indianapolis le mardi matin. Le mercredi matin elle était à Paris Charles de Gaulle, elle est restée toute la journée. Le jeudi après-midi, elle est arrivée à Marseille et elle est restée à Marseille jeudi, vendredi, samedi, dimanche vu qu'ils ne livrent pas les week-ends. Et je l'ai eu lundi matin en Corse, donc c'est arrivé très très vite. Je pense que s'il n'y avait pas eu le truc du week-end, je l'aurais déjà eu samedi chez moi. Mais c'est arrivé vraiment super vite et en super état. Je vais vous mettre des photos de ma valise avant et après. Franchement, il n'y a rien à dire, la valise est nickel. Ma mère m'a dit qu'il n'y avait vraiment aucun problème, aucune casse. J'ai bien fait vérifier à ma mère tout ce qu'il y avait à l'intérieur, il y avait vraiment tout, donc aucun problème à ce niveau-là. A savoir que quand la personne à qui vous envoyez votre valise doit l'intercepter, elle doit signer un papier, donc il faut que la personne soit présente sur le lieu de la livraison. Et si elle ne l'est pas, ça va être mis dans les locaux FedEx et ce sera elle d'aller la chercher comme un colis normal à la poste ou autre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider, c'est vraiment mon intention, j'espère vraiment que ça a pu vous donner réponse à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre un maximum. N'hésitez pas à vous abonner juste ici si ça n'est pas fait, à liker la vidéo et à commenter si vous avez d'autres questions ou d'autres conseils pour Send My Bag si vous avez fait envoyer votre colis, votre valise ou autre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!